Cette saison à Vendry's Anatomy. De l'émotion forte. Allez, attrape-y. Docteur? Quoi? Votre stéthoscope est à l'envers. Allez, attrape-y. Votre patient est sous le ventre. De l'action. Calmez-vous pas, madame. Je suis médecin et j'ai passé ici par hasard. Je vais exercer sur votre mari une procédure chirurgicale très rare, dont j'ai moi-même inventé. Il y a environ une chance sur 2884 de s'en sortir, mais quelque chose me dit qu'il s'en sortira indemne. Allez, donnez-moi votre manteau. Tenez bon, monsieur! Du flair. Voilà. Grâce à ce trombone, un fil de mon manteau et l'enveloppe d'un biscuit chinois, j'ai pu recoudre le thrombrachiocéphalique artériel de votre mari et sans aucune séquelle. Sauf pour un immense varicocèle. Désolée, j'étais en plein accouchement. Qu'est-ce qu'on a? Non, tout est sous contrôle. Silence! Des signes évidents m'indiquent qu'il faut que j'ouvre le crâne de cet homme. Non. Silence! Je suis gynécologue. Perceuse. Bien. De toute façon, il était condamné. De l'attirance. La radiographie de cet homme annonce un pronostic sombre. Docteur, il ne s'agit pas d'une radiographie, mais bien d'une photo de vous sur la plage lors de vos vacances l'été dernier. Ce maillot me fait vraiment un beau cul. Puisque j'ai juste que le moment et l'endroit est important, j'ai envie d'une relation sexuelle brillante et non protégée avec toi dans cet ascenseur. Ah oui, docteur Maté. Je croyais pourtant que nous nous rendions sur une urgence médicale. Mais poussez-vous, je suis gynécologue! Mais tassez-vous, je suis médecin, c'est urgent! Docteur Bernou, puisque nous sommes en pleine chirurgie dans un bloc opératoire, je me vois dans l'obligation de parler de notre vie intime devant tout ce personnel médical. Qu'en dites-vous? J'éprouve moi-même le besoin d'exprimer mes sentiments profonds envers vous, devant tout ce personnel inconnu, et alors que le thorax de ce patient est ouvert. J'ai de la difficulté à cacher cette érection. Allez, lumière! Plus de lumière! Plus de lumière, allez! Bien. Passe hémostatique. Bistouri. Écarteur. Non, 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 ça ne suffira pas. Écarteur. Ah. Ou bouteille. Poignée de porte. Marteau. Baraclou. Oh. Cupcake. Choco grenouille. Aspiration, s'il vous plaît. Non, ça ne suffira pas. Plus d'aspiration. Bien. Du jamais vu. C'est un homme. Et il est enceinte. Cause you had a bad day. Take your one down. Préparez mon bloc. Du risque. And she calls me cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we.
les étirer. Et lorsque vous presserez la détente, sachez que ce n'est pas un dieu qui vous tue, mais un médecin. Grâce à mon travail, j'ai le bonheur de pouvoir sauver des vies et la terrible responsabilité d'avoir à en perdre. Si j'étais un dieu, M. Robert, j'en serais pas ici. Si j'étais un dieu, votre femme serait vivante. Alors tirez. Et sachez que vous tuez un médecin, une humaine, pas un dieu. De l'amour. Je t'aime. Du drap. Oh Jennifer, Jennifer, il est arrivé quelque chose de très grave. Merci. L'avion de Dr Maté et Dr Becchio s'est écrasé. Et ils n'ont pas retrouvé les corps. Valise française. Ils auront à frôler la mort. Nous ne sommes pas perdus. Maintenant, emboîtons-nous. Laissons maintenant place à Audrey Nadeau-Gilbert, qui nous interprétera une pièce de notre Mozart québécois, l'enfant prodige André Mathieu. Voici donc le Concerto de Québec.